Et bonjour à tous, et on se retrouve pour la suite de ce Let's Play de Civ 5 avec toujours en compagnie de Yotol. Salut! Ah oui, ouais, je suis là. Ah Salut. ouais, non, on part en fanfare là, il me reste plus que 60 gigas. Ouais, donc il est 16h20 à 17h, on arrête. C'est ça. Du coup, Arsenal. Arsenal, ils sont nuls au foot. Oh, Allez, moi je fais terminer la partie. Enfin, le lapsus. normalement, on est censé finir la partie sur tour-ci, c'est pour ça. Enfin, ce tour-ci, cette Enfin, partie. vous m'avez compris. Oh, c'est dur de faire des sessions de 2 heures. Mais est-ce qu'on est gentil ou pas? Je sais pas, vas-y. Allez, parce que je suis pas un bâtard. Normalement, si tout se passe bien, après Civilization 5 qui devrait terminer dans 10 et 40 minutes qui restent, Ouais. normalement, on va continuer à faire des SP en coop, mais sur un autre jeu. Ah oui, tu veux spoiler comme ça. Voilà. Mais pour savoir quel autre jeu ce sera, ben ça sera dit que quand la partie sera terminée. Tout à fait. Mais voilà, on vous dit, il y aura d'autres jeux qui seront faits. D'autres au Ouais. pluriel. Ouais, d'autres au pluriel, toujours dans la même, dans le même esprit du jeu de stratégie. Wargame 4X. Ah, c'est déjà pas mal d'indices là. Non, j'allais donner un autre indice, mais c'est trop facile parce que c'est un des rares jeux de cette catégorie. Ouais, moi aussi j'y pensais. Ouais. Alors, à Bon, mon allez. avis, les habitués auront compris, je pense. Oh, il y en a plein, hein, mais bon. Juste avec ça, il y a au moins une quinzaine. J'en vois déjà une quinzaine de jeux. Ah, disons qu'on va bien changer d'univers. Ouais, moi j'ai rien à faire sourcil non plus. Oh non! Moteur à vapeur, ça y est, j'ai commencé la recherche. D'ailleurs, il faudra que je pense à enregistrer Europa Universalis avant que le mail tombe dans les tréfonds. Ouais, d'ailleurs. Je le ferai après notre session. En tout cas, c'est la classe, ça. C'est une bonne initiative. D'ailleurs, toi, tu t'es pas enregistré quand t'as acheté Crusader King 2, toi? Non, Ah non, non. ben, dommage! Parce que oui, Europa Universalis et Crusader King 2 sont faits par le même studio, Paradox Interactive, qui font aussi Magica. Ici, j'ai construit un truc ou pas? Mine, ouais. Putain, en fait, j'ai pas beaucoup de bâtiments à Kyoto. Kyoto a tellement servi à faire des merveilles qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments de construits. Je viens juste de tilter. Oh yeah, ça y est, j'ai encore 7. Ah ouais, chaque puits de pétrole, c'est 7. Ça dépend. J'en ai un à 7 et j'en ai un à 3. Ah. Ah oui, toi, t'en as deux. T'en as deux qui sont à 7. Ouais, mais Juste à j'en ai... côté. Ouais, mais j'en ai là, je suis 28 de pétrole au total. Putain, moi j'en ai que 10. Tu vas pouvoir en construire des avions. Ah, enfin, si on y arrive. Oui, c'est vrai que le pétrole, on peut l'exploiter bien avant de pouvoir s'en servir. Bah, c'est pas plus mal en fait. Comme ça, on se prépare. Comme le charbon, en fait. C'est vrai. Parce que le charbon, Bah, ouais. et le fer aussi, mine de rien, tu peux Non. l'avoir. Tu peux l'avoir. Ah non, non, les chevaux, je veux dire, tu peux les avoir relativement tôt par rapport à leur utilité. Le chevaux, je crois que c'est dans le pro. C'est une des premières technologies que tu Oui. as, alors que tu peux l'utiliser qu'une fois que tu as ta chevalerie ou un truc du genre. Hein. Ouais. Kyoto réclame du coton. Oh merde. Bah, C'est t'en toi as? qui l'as, mon co. Non, c'est toi qui l'as, le T'avais coton. qu'une unité? T'en avais qu'une unité de coton? Ouais, mais j'en ai pas très loin, t'inquiète pas. De toute façon, l'accord va bientôt se terminer, tu vas le récupérer. Marché. C'était 30 tours et si ça date. Portail économique, marché, ressources de luxe. Oh merde, c'est où déjà? Allez, ressources exportées, coton 1. Ah, il n'y a pas marqué tout restant là. Étrange. Allez, tiens, t'as combien de chevaux? Oh, fou, 58. Attends. Pourquoi? Attends, autre joueur, déclarer la guerre. Auguste. Non. Je vais faire en sorte que Washington déclare la guerre à. Contre ressources très stratégiques.
Contre 25 chevaux, tu déclares la guerre? Il veut des baleines et des perles, et moi, je gagne de l'or. Et déclare la guerre. Voilà. Washington a déclaré la guerre à Auguste César. Voilà! L'autre, il manipule les IA. Attends, ça me fait gagner pratiquement 500 pièces d'or. Contre 25 chevaux. C'est vrai, qui ne servent à rien. Totalement. Maintenant, on a les canons et tout ça, donc ils servent plus à rien. Donc. C'est une mode technique, ça. Voilà, c'est quand vous avez des ressources qui vous servent plus à rien ou qui vous servent toujours pas, refilez-les. Contre beaucoup d'or et tout ça. Et après, tu annules les accords quand on en a besoin. Comme un malpropre. C'est surtout en plus, il est enthousiaste envers moi, donc. Alors que je lui ai quand même pas exposé sa gueule. Au pire, s'il aurait refusé, j'aurais exigé qu'il attaque. Espèce de belliqueux. Exigé. Oh yes, personnage illustre. Je viens d'exiger à César de me donner du fer, il a accepté. Plus 5 fers de plus qui vient de César. Pas comme si j'en avais beaucoup besoin, mais bon. Hop, Ça fait toujours plaisir. j'avoue. 767 de culture par tour. Sachant que je lui demande ça, sachant que je viens de demander à Washington de lui déclarer la guerre. C'est ce qu'on appelle une journée bien remplie. Je pourrais presque m'appeler Napoléon, tellement je fais le bâtard. yes, bon. Je suis méchant envers toi quand même. Allez, moi j'ai fini. Ah, yes! J'ai quelque chose qui vient de se faire et c'est bien. C'est quoi? Je viens de finir pièce de rechange, donc je pourrais commencer à Statue de la Liberté et j'ai gardé un ingénieur illustre exprès pour. Oh, c'est joli. Et ça fait quoi du coup, Statue de la Liberté? Qu'on en discutait tout à l'heure? Culture plus 1, point d'ingénieur illustre plus 2. Ok. Écurie. Ah, du coup, j'ai oublié de refermer technologie puisqu'il les a perdus. Et voilà, théorie nucléaire. 35 de pétrole. Donc, où est ma capitale? Ajouter, merveille, statut de la liberté en premier. Allez, je valide mon avant-dernière doctrine le tour prochain. Ah, c'est cool ça. Attends, hop. Moi, je vais valider. Je vais ma statue de la liberté. Voilà. Voilà ce qui est un truc intéressant aussi à faire quand vous jouez très merveille. Ceci. Vous gardez toujours un ingénieur illustre en rab pour les merveilles. Et là, prochain tour, tu vas voir Yotol a construit la statue de la liberté. D'ailleurs, c'est que dans les villes côtières, je crois qu'il faut qu'elle peut être construite. Oh, je savais pas. Je crois, j'ai dit. Information historique. Chaque spécialiste d'Empire, production plus 1 aussi. Putain, ça va me faire augmenter ma production avec tous les spécialistes que j'ai. Oui, ça va être pas mal. C'est pas mal. Et voilà, statut de la liberté terminé. Alors, production plus 15%, et bien sur chaque temps, j'y serai dans une ville, c'est bien ça. Hop, je passe à combien? Je suis 72 de bonheur, 84, c'est nickel. Ouais. Par contre, je la vois pas dans la vue, la Statue de la Liberté. Alors, 8, dans 8 tours, j'ai ma dernière. Ah. Et après, Utopia à faire. Ouais. Tu te trompes pas de ville ou la faire, vérifie bien quelle est la ville où tu produis le plus. C'est pas forcément la capitale. Ouais, t'inquiète pas. D'ailleurs, t'as la doctrine pour augmenter la vitesse de construction des merveilles? C'est dans tradition Je sais plus. ou c'est liberté? De toute façon, j'ai les deux. Bon, oui, mais je sais plus. Ouais, mais je vérifie.
Ouais, c'est partout, c'est dans tradition. 15% plus vite. Enfin, 15% de plus de production. Ouais, c'est ça. Oh oui, c'est j'ai l'infanterie maintenant. Je sens que mes ouvriers automatiques vont commencer à construire des chemins de fer d'ici peu. Enfin, remplacer mes routes par des chemins de fer. C'est dommage que pour les chemins de fer, d'ailleurs, on peut pas faire comme les routes, directement les tracer. T'es obligé de faire case par case. Et garnison. C'est Paris qui produit le plus et de loin. Hein. Putain, 65. Moi, ma plus grosse forte production, c'est Kyoto. Mais je pourrais augmenter la production là si je me suis mis en full science. Bon, culture. Ok, machine à vapeur. Du coup. Ah, Canon. mais Osaka peut produire plus. Je peux lui foutre plus de spécialistes. Je suis en famine. Usine. Et éviter toute croissance. Osaka est maintenant fini. Ah. Non, c'est parce que je suis à plus zéro de nourriture, donc j'ai pas vraiment envie qu'elle grandisse. Là, ça va aller vite, hein. Là, ça va aller très vite. Parce que si je la mets en spé production, je passe à 72, ça va. Spéciance, éviter toute croissance. Et voilà. Le mec qui est en train d'affamer ses villes juste pour produire. Stop, stop, arrêtez de bouffer, arrêtez. Maintenant, vous arrêtez de bouffer, vous produisez. Comme en Chine. Oh. Je vais construire une boutique Apple. Enfin, une usine Apple. Cherche l'électricité. Hein, moi, c'est juste après la voie ferrée que je fais. Tu vas avoir de l'alu. Yep. T'as combien de sciences d'ailleurs? 416. 726. 441 maintenant. Naissance d'un personnage illustre. Oh yay! Et pas n'importe quel personnage illustre. Du charbon, j'en ai combien là? 19 encore. Vais faire ma petite usine. Et voilà, je viens de découvrir l'électricité. Oh. C'est parce qu'au moment où j'ai fini voie ferrée, j'ai eu le savant illustre. Allez, plus que 6 tours. Ah non, prochain tour, je vais plutôt faire la réfrigération plutôt que la radio. Ouais, bah normalement, on devrait réussir à finir dans cette session, hein. Ah! Normalement, dans 12 tours, si on y arrive, je pourrais enfin construire mon premier chasseur zéro. Le fameux chasseur spécial. Ah bah ouais, 12 tours, ouais, tu vas avoir le temps. Ah, dans 12 tours, tu pourras commencer la production, tu veux dire. Oui. Ouais, mais bon, t'auras les thunes pour l'acheter direct, si tu veux. Ouais, mais je pourrais pas m'en Juste. servir. Ouais, mais tu pourras le montrer. Hein, et j'ai. Non, et j'ai de l'aluminium sur mon territoire. 8. Ça va. Je suis content de moi. Je suis fier de moi. Tac, 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 tac. Tour suivant. Parfait. En même temps, c'est normal que j'ai plus de tête. Ah, mes prochains tours, normalement, je pense en ère moderne. Bah, je sais pas. J'ai pas Puisque, vu ton arme. non, mais réfrigération, je crois que c'est la première technologie de temps moderne. Ouais. Prochain tour, je passe à l'ère. Ah non. Non, non, réfrigération, c'est encore l'ère industrielle. Genève comme up. Pensée pénicilline, matière plastique, électronique, masse média, radar et théorie atomique. Ouais, théorie atomique, hein. Tu sais, moi je suis contre l'arme nucléaire, je n'étais jamais dans ce jeu.
Dixit, le mec qui aurait exterminé un peuple sans l'attaquer une seule fois avec un seul soldat, juste avec des armes nucléaires. Parce que j'ai découvert que les armes nucléaires pouvaient détruire des villes. Parce que à chaque fois que tu utilises, la population de la ville diminue. Et si elle atteint zéro, bah, la ville est considérée comme détruite. Il n'y a que la capitale où j'ai dû l'envahir par des soldats puisqu'on peut pas les détruire. Cinq tours. T'as combien d'influence pour Genève? Tac tac tac. 1294. 1294. Oh, je pourrais pas te rattraper. D'ailleurs, du coup, Genève te fournit de l'aluminium quand tu auras l'électricité. Bah c'était m'a déjà dit qu'ils m'en partageaient, mais après Ouais, mais tu peux pas les avoir je tant que tu peux n'as pas pas les découvert la avoir, ouais. ressource. Ils en ont pas mal en plus. Ouais, c'est. Ouais, fête du roi. Ouais, la fête. La fête. La partie que je vous parlais, en gros, j'ai. C'est, il y avait la Chine. C'était une carte type Terre. C'était la carte de la Terre. Il y avait la Chine qui avait son empire chinois. J'avais posé toutes mes unités tout autour de la frontière pour pas qu'ils partent. Et du côté mer, j'avais aligné tous les frégates lance-missiles et tous les sous-marins nucléaires chargés de missiles nucléaires. Et j'en avais plein d'autres en rab. Et dès que j'en tirais, je les remplissais et je tirais les missiles nucléaires partout sur leur ville. La Chine est devenue un désert nucléaire. 4 Voilà. tours, ouais. Sachant que j'avais les missiles nucléaires, puisque tu as les bombes atomiques et les missiles nucléaires. Les missiles nucléaires font beaucoup plus mal et sont beaucoup plus de portée. Alors que eux n'avaient pas encore, même pas commencé le projet Manhattan. Qu'est-ce qu'il fait ton artillerie japonaise là dans la banquise? Mon artillerie japonaise dans la banquise. Où? Bah tout au sud. Tu vois Orléans? Bordeaux Ah Orléans? oui! Et tu descends. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah oui, c'est parce que je l'ai mis en exploré. C'est classe. Allez. Désolé. Je l'ai pas vu. Bientôt gagné. Le mec, il est content parce que pour une fois, il va gagner contre moi un jeu. Oh ouais. Genre. As-tu déjà gagné contre moi un autre jeu? As-tu déjà gagné contre moi? Oui, en fait, on n'a jamais gagné. Ouais, voilà. Ouais, de toute façon, tu vas voir ce prochain jeu. Là, c'est sûr, je te battrai. Ça, c'est sûr à 100%. Sauf si je joue, fais comme encore le camp et que j'oublie de favoriser mon score et que je perds de score, comme ça m'est déjà arrivé plein de fois. Uniquement parce que j'oublie de faire gaffe à mon score. Bah, c'est surtout que je vais apprendre à jouer en fait en même temps, donc C'est pas ça va mieux être la quoi. grande loose. Tac, tac, tac. J'ai pas beaucoup de pétrole en fait en offshore. Moi non plus. J'en ai deux. J'ai deux nappes. Une à 4 À et l'autre Aizumo. 4 et l'autre à Nagoya 4. J'en ai 8 en offshore en fait. Je fais tout le tour de mes côtes, je vérifie. Non, j'en ai pas d'autres. Moi pareil, j'en ai qu'un de quatre. Unité en attente d'ordre. Ça serait quand que t'as le bug des ouvriers? Hop. Hop. Sous-marin. Sous-marin nucléaire, il déchire d'ailleurs. Mais je l'ai jamais vu du coup. Ah oui, ils sont toujours en guerre ces deux-là. Qu'est-ce que je vais t'envoyer faire? Voilà. Bon, ça va plus vite. Hop, tour suivant. Ouais, moi j'ai les unités en attente d'ordre donc tac, bah toi tu vas là. Deux tours, ouais.
En plus, ça va coïncider, ouais, avec mon usine pour Paris pour augmenter la prod. Nickel. Tu me diras combien de temps du coup? Canevan ne vous fournit plus d'épices. Ouais. Salaud! C'est la fin du truc, donc tu m'as donné les épices genre 10 tours après. Les Les cotons. cotons, le Ouais, coton. à peu près. Donc voilà. Toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu me donnes plus rien. Alors comment je donne? Je suis exploité. Prochain tour, j'ai réfrigération. C'est cool. J'ai l'électricité. Tu traînes. Ouais. Tu commences ce projet Utopia du coup. Le tour d'après là. Oui, c'est ce que je veux dire. Parce que non, je viens de finir le tour, c'est pour ça. Ah. Ah Un ouais. œil, un ingénieur illustre. Moi aussi, mon pote, ce serait pas mal quand j'en ai un. Mais de rien, à la fin, les villes commencent par tirer des flèches, puis des cailloux, et à la fin, tirent carrément des missiles. Mais une dizaine de missiles n'arrivent pas à venir à bout de 2-3 soldats, à moins que c'est quand tu montes pas les technologies pour. Hop, 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 hein. J'ai découvert réfrigération et un Et œil. voilà. Un ingénieur illustre. Allez, et à Paris, projet Utopia. Combien? 18 tours, mais faut que je... Hop, favoriser la prod. Mais des ingénieurs illustres dans la prod. Des ingénieurs, des personnages illustres. Et là, ça serait cool que tu aies un ingénieur. D'ailleurs, je verrai si je chope un ingénieur, je verrai si je peux pas te le donner. Hop, et 16 tours du coup. Ce tour, même en mettant les personnages spéciaux. Attends. Normalement, il a dû le faire. Ouais, il l'a fait. Le moulin à vent En et tout. usine, moulin à vent et atelier. Et t'as pas d'autres trucs qui augmenteraient la prod que tu peux acheter? Normalement, non. Dépôt d'armes, non. Arsenal, non. Banque, non. Tant pis. Ça fait long, 18 tours quand même. 16, 16, 16. 16 tours. Ouais. Oh, ça va, il est 43. J'ai un marchand illustre. Ramène-le chez moi pour faire le truc. Oh, j'ai m'a fait gagner 550 or et 30 points d'influence. Ouais, je vois que je ne vois pas toujours aussi bien français. J'avions pas vu. Bon, je t'attends au passage, hein. Bah, veuillez patienter. Voilà. Naissance d'un personnage illustre. Un ingénieur, un ingénieur, un ingénieur. Non. Et merde. Artiste. Je vais déclencher un âge d'or. Ah, je suis déjà un âge d'or. Tu Ça peux quand va. même en déclencher un. Ouais. J'ai 14 pétrole. C'est dommage qu'on puisse pas l'acheter. Projet Utopia. Comme toutes les merveilles. Hein. Il y en a un autre qui est pas content. Top, top, top. Bah, la bourse. Voilà. La bourse ou la vie. Et c'est comme ça que le canin est devenu grincheux. Parce qu'on lui a pris la bourse. Celle de gauche. Ah. Yes. Aïe. 1812. Oh putain, l'aluminium, ça te booste la production, ce truc. C'est affolant. De quoi? Ah oui, la lune. Ouais. Où est-ce qu'il est Paris? T'as même pas. T'as des forêts à côté de Paris. Yes. Si tu vois ce que je veux dire. On va défricher. Obligé de les bonnes vieilles méthodes, hein. Ouais, c'est pas faux. Hop, toi, tu vas venir par là. En fait, je regarde Rome, il a quasiment que des villes côtières. Ouais.
Exact. Et là, allez, vas-y, fonce. C'est une bonne méthode parce que comme ça, tu construis des portes, t'as pas besoin de construire des routes. Genève recherche un ingénieur illustre. Ouais, ils m'ont prévenu il y a quelques tours. 1226, 1074. Hop, hop. 1814 avant Jésus-Christ. Pourquoi je construis ça? Ça sert à rien, on s'en fout. 13 tours. Ça va, ça avance, ça avance. Oh oui. Ah, j'ai une unité en attente d'ordre. Ok. Ça va Cadeau. être... Je me fais même pas chier, je le donne. Putain, je sais pas si on peut donner les illustres. Je sais pas. Nouvelle unité d'Hanoï, attends encore de recherche terminée. Ouais, pareil. On en avait un. Oh, du coup, Aviation va finir. Et je rentrerai dans les arts modernes. Waouh. Hop. Hanoï m'a donné un lancier. Je vous le donne. César a fait la paix avec Washington pour la troisième fois. Ces jours-ci. Bon, ça va quand même. J'aimerais avoir les statistiques de combien de fois ils se sont fait la guerre. C'est clair. On les aura de toute façon normalement à la fin. Il y a les stats justement à la fin. Oui, c'est plus. Il faut pas quitter de suite, faut aller dans les onglets. Ok. Et tu peux avoir le détail de toutes les guerres et tout ça, mais c'est un vrai bordel. Ah ouais, putain, j'ai même bientôt fini à la radio grâce à ça. Canevan, accord de recherche, proposé. Hop. Washington, échangé. Accord de recherche, il a passé dessous? Ah merde. Je te passe dessous et après on va faire un accord de recherche. Ah merde, j'ai pas donné assez. Yeah. De toute façon, là, il n'y a plus qu'à spammer les tours. Attends, ouais, mais je. Voilà. Si on Non. veut être sûr de pouvoir enregistrer la fin. Ouais, c'est. Ça serait quand d'arrêter à ce niveau-là, franchement. Ouais, à 2-3 tours. Voilà. J'ai même proposé un accord de recherche avec Washington. Comme ça, j'en ai deux. Moi, je spamme. Attends qu'on me propose autre chose, je vais spammer le tour. Ouais, je vais faire pareil. Le monde est en paix. Mon empire se développe petit à petit. J'en ai marre de construire des villes. Encore l'aluminium. Qu'est-ce que fout. Hein? Tour suivant. Et j'aurai. Oh! La tour Eiffel à faire! Hop, hop. Tac, tac, tac. Voilà, tour suivant. Je vais pouvoir lancer la tour Eiffel à Kyoto. Washington, vous fournit plus de teinture. Oh putain, tout ce que j'ai peur de Washington. Tiens, tu me donnes plus de coton. On débarras. C'est mon coton. Portail Il t'en économique. fallait en plus, ça va te donner un âge d'or, non? Non, elle fait du roi. Oui, je me comprends. Hop. Prochain tour d'ailleurs. Je Peut-être. sais ce que je vais faire. Wow. Hop. Oh, vas-y. Défricher. Cadeau. Détruire. Ouais, c'est bon, je viens de l'avoir à la fête du roi. Bah nickel. Satsuna, où tu es? Satsuna! Satsuna. Ajouter à la file d'attente. Merveille. Tour Eiffel. Retour.
Tour Eiffel en premier, 24 tours, c'est long. Bah tu la verras pas. Si, si, je peux l'avoir. Ah bon? Oui. Il suffit de jouer sa fin. Tac et tac. Voilà. Du coup, elle finit dans 10 tours. Ah bah pile pareil. Ah, donc peut-être que je la verrai, peut-être pas. Parce qu'avec les fluctuations qu'il y a, sachant que je suis Ragus de voir le câble disparaître. Mais foutez-vous la paix un peu! Ils font chier ces cités d'État, voire se foutre sur la gueule à chaque fois. Je suis sûr que c'est à cause de ça que des fois il y a des guerres entre César et C'est certains gens. probable, ouais. Est-ce que je peux encore augmenter? Est-ce qu'en grugeant un peu, je peux encore l'augmenter? Hop, hop. Et voilà. Neuf tours. Ah, je suis en train de vérifier que je peux. Si je peux pas faire. Non, je peux rien faire d'autre, donc tant mieux. Fin de tour. Ah, mais ce message de cet état. Fin de tour. Cool, le défrichage. Ça aide, hein? Ben, on va voir. Ah, je peux voir. Je peux défricher autour de Satsuna? Ouais. Toi. Un artiste illustre. Et Tokyo crie famine. Famine toi-même. Oh, t'as fait un fort. Ouais, j'en ai fait. Faire joli. Pour montrer un peu. Un âge d'or. C'est une forteresse de Vauban. Non, logique. Âge d'or commence. Tokyo crie famine. Pourquoi? Pourtant, j'avais fait en sorte que ça n'arrive pas. Moins un. Oh merde. C'est bon. C'est juste qu'il y avait eu de la croissance alors que j'avais mis à éviter toute croissance. Donc forcément, je suis passé à moins un. Je vais pouvoir dans 4 tours faire un char. Yeah. Tantantant. Toi, t'as la Légion étrangère aussi. Je sais plus. C'est à la place de l'infanterie. Ah oui, exact. Une mine. 7 tours. Ouais, bah tant pis pour la tour Eiffel. J'ai beau. J'ai plus de forêt autour de Satsuna et j'ai pas le moyen d'augmenter la production. Oh bah ça va être tout juste. On va finir la partie. Allez, dépêche, si on peut. Ça risque d'être un peu de geste là. Allez, dépêche. Ah, naissance d'un personnage illustre. Oh, culture, j'en fous. T'en as plus Ah. besoin. Putain, choisir la construction. Est-ce que j'ai pas une doctrine qui peut m'aider? Augmente le bonheur. Non, rationalisme, c'est la science, commerce, c'est l'or. Surtout que suivant ce que tu prends, il risque d'avoir un petit souci qui s'appelle l'anarchie. Ouais. Prends une qui donne pas d'anarchie. Je
Et... Non. Allez, l'honneur du coup. Voilà. Pour l'honneur. Ouais, ça va être chaud d'abord. Ouais, avoir faire au pire, si possible, tu coupes, tu essaies de t'arranger pour avoir 20 gigas et on finit vite fait et on le rajoute à la fin. Parce que ça serait con de s'arrêter alors que ouais, il reste 3 tours pour finir. Ouais, bah là je spam les fins de tour parce que là, je vais pas pouvoir faire plus de place que j'en ai déjà fait. C'est vraiment une fin de let's play à l'arrache. Totalement. En même temps, elle a commencé un peu à la rush aussi au tout début. J'avoue. Et si c'est un petit Civilization 5 comme multijoueur, ouais. Et en film, ouais, allez, voilà. C'est un peu ça. Ça se finit un petit peu de la même manière. Ah là 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 là. Oh. Allez, ils font chier avec leur attaque Belgrade là. Toi aussi, ils te font chier avec ça? Ouais. Automatique, comme ça tu me fais pas chier. Plus 4 tours. Allez, on va les voir les 4 tours. Ouais, je spam comme un porc. Ah, c'est bon, Belg. Ah non, j'ai cru qu'ils avaient presque pété les unités qui les emmerdent. Attends. C'est César et Washington sont encore en guerre? Non, c'est Belgrade. Allez. Voilà, ça ira plus vite. Voilà. La bourse. Comme ça fait plus de tours. Et voilà, tour suivant. Hop. J'essaie de pas bouger l'écran comme ça. Ça me prend moins de place. Bon, putain, il voulait pas cliquer. Désolé. Ah, tac, tac. Allez, plus vite, 3 tours. De folie. Allez, 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 allez. Ça va vraiment s'arrêter sur l'écran de victoire. Et pour les statistiques, faudra regarder mon point de vue. Voilà, tout à fait. Sur la conclusion et puis Au pire, tu pourras toujours papoter, même si ça filme plus. Ouais. Hop. C'est bon. C'est bien ce tour-ci, j'ai aucun message, rien. Putain, ils font chier. Toujours de la merde. Combien? Hop. Bah, le tour d'après. Faut recliquer une fois. Allez, allez! Nouvelle unité, putain, je m'en fous. C'était pas le moment. Dernier tour, il me file des unités, l'ennemi, là. Enfin, les cités-états. Sinon, je t'ai envoyé plein de ressources quoi, qui peuvent augmenter la production, j'ai juste dépensé. Ah, bon, de toute façon, là, c'est fini, donc. Hop, allez. Ouais, je m'en fous. Accepter, tac. Ça augmente ta production ou pas au final? Bah, je sais pas trop, je dois avouer que vu que je rush là, j'en sais rien. Parce que je sais, il y a un truc qui Hop, permet d'augmenter ta ça y est. production. J'ai cliqué tour suivant et c'est bon. Allez, allez, que ça tienne. Parce que là, ça serait con que ça plante pendant le chargement. C'est clair. Et là, vous avez perdu. No way! Et toi, vous avez gagné. J'aurais pu 1000 fois te battre avec la victoire militaire, je suis sûr. Mais bon. Oh, c'est fort probable. Ah voilà, j'ai perdu. Yeah! Et là, Vous tu avez vas voir. remporté la Et là, victoire t'as grâce au rayonnement information. inégalé de votre culture. Oh, en plus, La j'ai gagné grandeur avec du de votre succès. civilisation, la magnificence de ses monuments Moi non, et parce que j'ai l'influence perdu. de ses artistes ont T'as quel niveau subjugué le dans le monde classement? entier. Les poètes vous honoreront aussi longtemps que la beauté saura réconforter les cœurs Charlemagne. brisés. Ah, moi je suis Abraham Lincoln. J'ai fait 1915. Elles sont beaucoup moins détaillées, mine de rien, les stats dans le 4. Hein. Ouais. Voilà, données. Ah, ben voilà, faut mettre revoir données pour avoir tout ce qu'il faut. Hop, je clique. Ah Voilà, je mets juste entre ouais. nous deux. Connexion urbaine. Ah, c'est toi qui avais le plus de route au final. Tu dépensais pratiquement 244 en rien qu'en route. Et bah, en tout Bonheur, cas, pareil. moi je vais clôturer ici pour ma vidéo. Moi, je continue à regarder les statistiques avec Canevan pendant que lui doit quitter Et ta vidéo. bah,
Bah merci Yotol de m'avoir accompagné pour ce let's play, c'était bien fanda. Ouais, même si j'ai perdu, même si parce que j'ai pas voulu faire le salaud comme je fais d'habitude dans ce genre de jeu. Ouais, j'ai été étonné d'ailleurs. Je m'attendais à une attaque, j'avais créé quelques petites unités pour défendre mes villes au cas où, mais. Surtout que j'avais la meilleure armée. Ouais, j'avoue. Bah en tout cas, c'était bien sympathique. J'espère que vous, ça vous a plu. Et puis, bah, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau let's play en multi sur un autre jeu qui Et se c'est quoi ce passe. jeu alors, vas-y? Parce Un jeu que. qui se. On va vous laisser deviner. C'est un jeu qui se passe dans l'espace, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a été développé par des Français. Studio indépendant. Tu veux rajouter des indices? Ouais, studio indépendant, voilà. Bah voilà, on se retrouvera sur ce jeu très bientôt. À bientôt. Bye.